Salut à toutes, tous, ici Balariel. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien devant The Legend of Boombo, nouveau jeu d'Edmund Macmillan qui est sorti tout à l'heure. Hein. Là, on est le 12 à 20h et quelques. Bon, alors je voulais y jouer à la minute même où il sortait. Bon, j'ai eu un truc à faire, donc non. Cependant, je tenais à dire avant de commencer à jouer que. Genre à la minute où le jeu devait sortir, il y avait déjà des messages qui disaient quoi, mais là le jeu, j'essaie de le télécharger, j'y arrive pas, ça marche pas, parce que personne ne pouvait le récupérer directement. Et des gens qui ont dit que genre Edmund Macmillan vendu, t'es vraiment un sac à merde. Eh bien, je tiens à dire à ces gens-là, niquez-vous. Voilà. Sur ce, on va donc jouer. Alors Legend of Boombo. Alors, je me suis pas spoilé. J'ai réussi à ne pas me spoil. À part le trailer, mais genre celui qui est sorti avant le 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a quand même pas mal de temps. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, il y avait la cinématique d'intro que j'ai passée parce que je devais calibrer le jeu et tout ça. Mais je vous la mettrai tout à l'heure. Et en attendant, alors ça m'a mis directement sur le tutoriel. Donc, voilà. Bon, il est en anglais, hein, bien sûr. Il y a peut-être moyen de le mettre en français, cependant. Ah, ouais, non, c'est bon. Mais bon, ça devrait aller. Alors, tape-moi avec des enfants hauts. Et te donner un point. Utilise-le pour aligner 4 hauts. Et pour me les balancer dans la gueule. Oui, bah du coup. Voilà. Alors il me semblait bien que c'était un jeu un peu à la. Ok, oui. Un peu type Might and Magic Clash of Heroes. Ok. Ok, donc cette fois faut aligner 5 dents. Alors est-ce que ça fait. Ok, non, je les balance. Ça fait pas de mur comme dans Might and Magic Clash of Heroes. Oui. Oui, d'accord, on peut faire des combos. Bim. Pouf. Paf. D'accord, oui, ok. On lance les deux et ça donne des bonus. Et on l'a buté. On a buté un Keeper. Ah oui, hein, donc c'est dans l'univers de Binding of Isaac. Bon, j'ai fait plein de vidéos dessus, je pars un peu de la base que vous connaissez, mais pas forcément. Donc un univers très caca sur 20. En termes d'ambiance, hein, vous voyez des os, du caca, ça doit être un pet, j'imagine. Des dents et de l'urine. Promis to hit you. Ok. Il va me taper. Ah, oh, mon Dieu! Alors. Oui. À partir du moment où tu ne fais pas. Ne matches pas 4 boogers. Ah non, booger, c'est. Boogertil, ça va être de la morve. Crotte de nez. Eh bien, si je fais ça, j'en aligne 4. Ok, je comprends le délire. Allez, ça va l'empêcher d'attaquer. Ok, ça annule une seule action, les boogers. Il arrive! Ok. Alors, j'ai 2 points de mouvement, donc je vais complètement faire ça. Je peux l'envoyer n'importe. Oui, ok, il n'y a pas de nécessité de les faire à un endroit ou à un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, d'accord. Ah oui, donc c'est ça, avec les caca, on peut faire un bouclier. D'accord, oui, donc s'il y a quand même cette dynamique. Ah. Alors, question. Si je fais ça, est-ce que. Oui, d'accord, les os retombent bien. Parfait. Ok. Et pourquoi ça ne fait rien? Si je fais ça. Merde. Pourquoi ça ne marche pas? D'accord. Faut que j'en aligne 4, 3 ça suffit pas.
Oui, bah non, c'est 4, je suis bête. C'était déjà 4 tout à l'heure, c'est juste que... C'est d'habitude Might and Magic, hein, excusez-moi. Aïe! Oui, merci. J'aurais peut-être pu le finir en un seul coup, mais comme moi je voulais aligner 3, je réfléchis pas trop. Hein. Et c'est une récompense. Fort sympathique ce petit effet 3D, 2D en carton, tout ça. Ah oui, il m'a donné un coup, donc ça serait bien que je me heal. Eh bien, on va faire ça. J'ai 2 actions. Voilà. Et je me suis soigné. Oui, d'accord, ok. On n'en a pas souvent des cœurs, donc on pourra pas se heal si souvent que ça. C'est assez cohérent. Ok. Je peux lancer des spells. Home boss match. Très bien. Ok, donc il me faut 4 bones. D'accord. J'espère que ça sera pas cette musique tout le temps. Parce que c'est un peu fatigant. Non. Ah oui, d'accord. Quand j'en fais 5, je peux en lancer 2. Mais si, d'accord. Ça permet de charger le spell même si je les lance. Ah oui, d'accord. Ok, ça se met ici. D'accord. Oui, bah, tu m'aurais dit la même chose. Je peux utiliser mon bonus. Bim. Alors. Ok. Je peux visiter le casino après chaque boss pour dépenser mon pognon. Donc c'est bien que je garde mon pognon. Oui, j'imagine bien que les boss, ils ont plus d'une action par tour. Faut peut-être pas déconner. Ah, merci de la musique qui change, parce que c'était un peu fatigant, là. Boombo One Coin. Oh oui, Boombo, pour ceux qui donc, n'ont pas trop joué à Isaac. Oui, d'ailleurs, juste avant d'expliquer ça, Isaac, figurez-vous que tout à l'heure, il y a genre 3-4 heures, j'ai terminé ma deuxième sauvegarde d'Isaac. 100%. Ah. Le petit thème d'entrée de Isaac, fort sympathique. Refait en version... j'ai pas vu, c'est toujours Ridiculum qui fait la musique, je pense que oui. Hein. Ce soit la même musique que celle de Isaac Rebirth, donc faite par Ridiculum, ça doit être toujours ce groupe-là. Je vais regarder les crédits après. Oui, merci, mais en fait, on va voir les options. Ah, il y a plusieurs Boombo. Parfait. Le brave. Nimble, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, alors en plus, comme c'est écrit un peu, forcément. Stout. Stout. Alors la Stout, c'est la bière noire. Donc plus forte que la brune. Très bien. Weird, weird c'est étrange, un truc comme ça, c'est un peu un synonyme de queer ou freak dans l'idée. Boombo le mort, ça ça va. Boombo le vide, très bien. Ah, les effets sonores sont incroyables. Bon, j'avais branché ma manette, attention, bruit de déconnexion de manette. Parfait. C'est vous dire à quel point je ne savais pas du tout. Comment se jouerait le jeu. Oui, très bien. Oui, bah évidemment, on va attaquer plusieurs ennemis à la fois. Faudra un peu check. C'est un roguelike. Hein. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur Isaac? Oui, Boombo, c'est un personnage de Isaac, mais qu'on voit très peu dans Isaac, en fait. C'est juste un objet, soi, qui n'a pas vraiment d'histoire développée. On le voit pas dans des cinématiques ou quoi. Ok, ça commence tout de suite. D'accord. Reroll ce puzzle board. Oh non, ça c'est pour les faibles. Boombo Smash, ça c'est pas pour les faibles. Alors, pour le coup j'étais assez bon à Might and Magic. Donc je pense qu'on peut faire un bise. Bon pour l'instant je vais jouer un peu. Ah merde, c'est vrai que c'est 4. Voilà, j'y arriverai pas. Ça c'est pas dingue. Ça c'est. Ouais.
pourquoi il y a une croix. Ah oui, parce que c'est celui que je sélectionne, l'os. Ça, j'aime bien. Bon, on va attaquer au milieu parce qu'il y a une mouche là, je le sens mal. Ah, les ennemis tournent. Ok, ah oui, d'accord, il y a une gestion de la défense et tout ça. Et B, encore deux actions, ok. On peut faire ça, ce qui est pas si mal. Pas si ça va être de la merde. De la merde. Écoutez, je vais envoyer du pipi. On verra plus tard. Ah, ça me donne un point de move le pipi. Ok. On va faire une défense. Instant. Bon, forcément, faut que le temps. Faut le temps que le jeu me rentre dans les pattes. Hop là, voilà, le point de défense qui a marché. Par contre, je comprends pas quand est-ce qu'ils agissent ou comment ou quoi. Pourquoi là, il y en a qu'un qui m'a attaqué par exemple. Je ne comprends pas. C'est pas grave. On va aligner des os, je pense. Ah, il faut pas que j'oublie d'aligner comme ça. Et pourquoi là, il y a des symboles? Est-ce que ça. Si je fais des combos sur ces cases-là, ça fait des choses en plus? Genre, si là, je fais des os, ça fait des trucs en plus. Des os, pas des os, évidemment. LOL. Tu imagines que je lui fais. Ok, j'ai attaqué la mouche d'abord. Très bien. Pourquoi il y a un 3 là? Je comprends pas. Ah, je dois pouvoir m'en servir que 3 fois dans le match. Est-ce que ça attaque plusieurs ennemis sur la même ligne? Non, ok. Ah non, bah parce que ça fait 3 points de dégâts tout simplement. Ok. Eh bien, on va faire des dents. Les dents, ça fait toujours des dégâts. Pour l'instant, on va attaquer devant. Non. Ah, j'avais pas fini mon tour encore. Ok. Donc là, il s'apprête à attaquer. Ça va finir par rentrer, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le temps de comprendre le jeu. Bah, j'ai envie de lui défoncer sa race. Ouf. Ah oui, mais c'est pas très rentable parce que là j'ai mon spell ready. Je peux pas attaquer la mouche tout de suite. Ouais, j'aurais dû attaquer celui du milieu parce que comme ça fait 3 points de dégâts. Bah là j'ai gâché en fait mon attaque de tout à l'heure. Mais, ah oui d'accord, les sorts ne me coûtent pas de move. Ok. On va faire un point de défense. Oui, il faut du temps hein, pour comprendre comment tout marche évidemment. Ok, donc lui il va m'attaquer, mais lui je vais lui défoncer sa race, c'est pas un souci. Il est nul ce jeu. On peut faire du pipi. À quoi ça sert? Ah oui, ça me permet de gagner un move le pipi. Ah oui, mais donc le pipi il faut le faire quand on est sûr de pouvoir faire une action intéressante après. Parce que si je gâche deux moves pour faire un de pipi, ça sert à rien. Je peux faire une petite crotte de nez des familles? Allez, on va faire ça. Ok, donc là, je l'ai englué. Donc normalement, ça va le retarder d'un tour. Suppose. Et j'ai plus qu'un move. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, je peux reroll. Allez, on va reroll. Très bien. Bah là c'est gagné parce que je fais ça. J'utilise le spell. Hop. Voilà. Ouais, Boombo Wand Coins. Alors. Ah, c'est des pouvoirs. Ok. Ah ok, j'ai compris. En fait les symboles qu'on voyait en haut, c'est des symboles qui allaient apparaître. Et donc c'est pour ça que là il y a ça reroll next row tiles. C'est que je peux voir à l'avance ce qui va apparaître. Et donc avec la 8 ball je peux reroll ce qui va arriver. Bah, je vais plutôt prendre le snack en vrai. Je connais pas assez bien, enfin je maîtrise pas encore bien la dynamique du jeu pour prendre le 8 ball je pense. Oula. Il y en a du monde. Après, ça coûte très cher. Enfin, il faut faire beaucoup de combos pour que ça marche, quoi. C'est compliqué de jouer à un jeu où on doit réfléchir en même temps.
En fait, non, si je suis malin, je devrais plutôt faire des... comme ça. Des lignes. Merci. On va tenter un truc comme ça. Ça, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. De toute façon, personne n'attaque pour l'instant, donc allez, on va mettre là. Ok, ça attaque la mouche. Et l'autre mouche est passée devant. Ok, donc il y a encore des choses que je ne comprends pas. Donc là, il y a une onde qui va apparaître ici, ce qui est pas mal. Ça peut être intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, ça me permet de faire ça aussi. Encore un smurch. Ok, j'ai fait un combo. Nickel. Non, c'était prévu. Vous inquiétez pas, c'était prévu. Bon, on va faire un truc genre... lui, on va le stun. Mais non! Ah, quand les mouches sont devant, elles prennent l'aggro. C'est fâcheux. Bon, c'est pas grave. Alors, je trouve ça très cool, le fait d'avoir une accumulation des ressources. Ça me rappelle un peu... We need to build a boat. J'ai toujours du mal avec le nom de ce jeu. Où bah, les alignements permettent. Ah oui, mais là je vais taper la mouche, c'est pareil. Et ouais, c'est de la merde en fait. Eh bien, tant pis. Donc, ce genre de jeu où en fait faut bidouiller des alignements, mais où ça. Alors, il y a une sorte de système de ressources. Là, ça serait bien que je fasse des caca, comme ça je pourrais me heal après. Ok. Alors je dois pouvoir cumuler les défenses caca, j'imagine. Vu que là il y a écrit 1. Bon, en l'occurrence je peux me heal, donc tout va bien. Mais j'ai plus qu'un point. Est-ce que je shuffle? On va shuffle en espérant avoir un truc direct. Et ben c'est pas glorieux. Pas glorieux du tout même. Bon, la musique est sympathique. On va faire ça. Ouais. Est-ce qu'on peut s'en servir de plusieurs dans le même tour? Bon, là, j'ai plus de pipi, donc je ne peux pas le savoir. Après, ça m'a l'air d'être. Enfin, moi, j'ai un peu de soucis, je vous avoue, avec les musiques de Ridiculum. Même si je les aime bien et que j'ai quand même réussi à jouer à Isaac quelque chose comme 800 heures avec les mêmes musiques, bon, je les trouve, pardonnez-moi, hein, mais je les trouve un petit peu insipides comparé à celle d'Edmund Macmillan, pas du tout, de Danny Baranowski. Je vais y arriver. Là, ça m'a l'air plus intéressant de faire un truc comme ça. Bof. Pas dingue. Attendez. On va shuffle. De toute façon, shuffle je peux puisque ça me coûte des dents et j'en ai besoin que pour ça. Donc, eh bien, c'est pas dingue. Obtenir une action supplémentaire. Je crois que c'est tout ce que je peux faire. Écoutez, on va faire ça. Hein. Ah oui, ça me permet d'avoir à nouveau du heal. Il y a une étoile. Ça doit valoir pour tout une étoile, j'imagine. Bah, je peux tataner. On va tataner ici. Hein. En vrai, ça c'est quoi? Est-ce que c'est un spawner? On va tenter. J'aurais pu me heal. J'aurais dû d'ailleurs. Pas grave, je peux le faire maintenant. Alors. Bon, en vrai, il suffit que je fasse une morve et puis je pépouze, hein, on va pas s'embêter. On va peut-être pas trop passer trop de temps à réfléchir. Après, moi j'aime bien dans ce genre de jeu, justement passer du temps à. Ah, ça fait que retarder? Il y a un truc que j'ai pas compris, hein, c'est ça. Arrêtez de vous moquer. Donc, une étoile, ça vaut pour tout, à mon avis. Donc, si je fais ça, j'ai du caca, mais ça aurait permis de faire des combos du coup. Ok. Est-ce que je peux faire autre chose? Donc oui, arrêtez de vous moquer.
Mais bon, je pense pas que j'ai besoin de de prendre diplôme pour réfléchir. Bon, il me manque quoi pour me heal? Du pipi. On va faire du pipi. Comment on va pouvoir faire simplement du pipi? On va faire ça. Ah oui, je l'avais vu ça. Ouais, c'est le temps que je m'y fasse, hein. Encore une fois. Alors, on va faire du pipi. J'aurais bien essayé de voir si je pouvais en lancer deux dans un tour, mais de toute façon, j'aurais jamais les ressources. Oublions ça. Oui, bon, je peux faire des dents, allons-y. Et les stats, je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Genre là, le foot, pourquoi j'ai deux? Ils sont pas dans Isaac, hein. Ou alors je mélange avec un truc. Et... sympathique. Bon, je vous aurais pas montré la. Ah oui, mais du coup, c'est un autre combat, donc j'ai plus mes ressources. Je vous aurais pas montré la présentation du jeu, malheureusement. Non, si on est honnête, c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'était une idée de merde. Je suis pas encore à faire des combos. Hein. Là, ça, il y a peut-être moyen de bidouiller des choses. Non, ça marche pas, ça. Je réfléchis, hein. Je pense qu'en vrai, j'ai tout intérêt à essayer de faire de la morph pour pouvoir me heal. On va faire ça. Ouais, ça permet d'avoir des trucs de caca par ici, c'est pas inintéressant. Donc on est d'accord. Bon, de toute façon, elles sont devant, donc il y a probablement une priorité sur les mouches. Hop, qu'est-ce que je voulais faire après? Ok. Ouais, je vais me heal. Ah oui, donc c'est ça, la morph ça ne fait que retarder, c'est bien ça. J'ai bien compris le jeu. Donc c'est pas incroyable non plus. Hop, hop, comme ça on pourra faire un alignement de morve après. Après, garder les 3 pour les ennemis à 3 PV, ça aurait pas été ridicule, mais bon. Et pourquoi j'ai plus rien là? Pourquoi j'ai plus de ressources? J'ai tout utilisé vraiment? Alors pile poil? J'ai pile poil utilisé 2 caca. Ah non, j'ai encore 2 caca. Oui, ok, d'accord, tout va bien. Bon, mais utiliser du pipi, c'est un peu triste hein, quand même. Bon, après là pour l'instant, ça doit être plutôt facile. Non, on va pas shuffle alors que c'est la fin du tour. Est-ce qu'on garde le même plateau? Ben oui, évidemment qu'on garde le même plateau. Évidemment, sinon intérêt zéro. Alors, j'ai envie de faire un petit alignement d'os des familles ici, mais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Bon, écoutez, c'est trop compliqué. Non, ça c'est bien, ça me fait de la morve. Ah! Oui, mais là c'est bon. Voilà, nickel. Ça c'est un peu fâcheux par contre. Ah c'est tout la cause comme plateau. Je
je vais shuffle en espérant pouvoir annihiler les deux en un coup. Enfin, en un tour, je veux dire. Ça, c'est sympa. Ah, c'est dommage. Si j'avais eu un caca, j'aurais pu faire un bel alignement de caca, là. Oui, alors, si vous n'êtes pas familier avec les notions de caca, de pipi et tout ça... Bon. Écoutez, je suis curieux. Tant pis, je vais prendre des dégâts. Non, j'ai pas besoin de me heal. J'ai envie de voir ce que ça donne, ça. Ça doit être extra. Oh, d'accord. Le maximum, donc, de 7, ça fait 3 de défense partout. C'est intéressant. Donc ça peut être intéressant de prendre vraiment un tour pour faire ça, quoi. Du coup, ça me donne envie de faire ça, maintenant. Ah, zut. Pas grave. Mana Drain. Pas très sympa. Ouais. On va s'en contenter. Quoi c'est écrit? Ah oui, non, 5. Ah oui, donc je fais bien 5 points de dégâts. Incroyable. Bon, écoutez, on va le tuer. Hein. Quoique non, je vais peut-être... Du coup, j'aurais pas dû faire ça. Écoutez, on va attendre. Hein. De toute façon, j'ai de la défense. J'ai envie d'essayer de le tuer. Mais de me heal dans le même tour. Ouais, c'est bon, il fait qu'un dégât, tout va bien. Pour me heal, qu'est-ce qu'il me manque? Oh là, il me manque beaucoup. Quoique pas tant que ça en fait, parce que hop, et hop, c'est bon. Ah si, il manque mon pipi quand même. Oui. Oui, ok, ça rajoute 1. 3, ça a l'air d'être le max, hein, cependant. Donc oui, il me manque du pipi. Et on va faire un bel alignement de pipi. Ça a l'air fort, le heal, hein, même si ça coûte cher en ressources. Ah, et j'ai 4. J'ai fait quoi pour mériter 4? Un beau combo. Pourquoi je fais ça, en fait et mon coup d'épée. Ah, attendez, je vais essayer de le tuer avec classe. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est. Je l'avais vu. Oui, ça aussi, j'avais tout vu. Ok, je peux le limiter pendant 2 tours, nickel. Ah bien. Bon, c'est plutôt simple pour l'instant, mais j'imagine que ça sera pas le cas. You hurt, dis donc. Comment ça, 2 d'électricité? J'ai pas du tout d'électricité. Ah, c'est le mana, c'est ça. Bon, écoutez, ça, ça m'a l'air plus... Oh. Lof. Oh non. Reward of the Cord. Non, les pires boss. Il a 10 PV et il a 2 points de move à chaque tour. Ok. Ok, ok. Pas dégoûtante, hein, cette... On va se préparer un reroll potentiel. Comment? Oh, le relou en soirée, ça j'imagine que ça me sert à rien, c'est vraiment des trucs pour me limiter. On va tester en... Ok, d'accord, c'est juste que je ne vois pas ce que c'est tant que je ne l'ai pas déplacé. Ok, il m'a fait qu'un demi, ça va, après il a 10 PV quoi, donc... Bon courage, je pense qu'on va shuffle. Je vais essayer d'en faire un... Ouais, je vais en faire un double. Ouais, ok, bah, voilà. Ça vaut bien 2. Hein. Et il n'a fait qu'un point de dégâts. Mais par contre, il m'a quand même... bousillé ma vision, ce qui n'est pas très sympathique. Et je n'ai aucune idée de ce que c'était. C'est pas grave, on va faire...
Je suis bête, j'aurais dû déplacer ça avant. Bim. Ah oui, zut. J'avais réinvoqué, évidemment. Écoutez, dans le doute, on va faire ça. Ah ouais, mais d'accord, oui, à chaque fois qu'il recule, donc faut éviter qu'il s'avance. Bon, longue histoire. Ok. C'est pas grave parce que ça c'est bon. Et oui. Ok, faut pas hésiter. Faut se souvenir quoi. Bon, mais là je le tue. Tout va bien. Merci pour le pognon. 20 balles. Bumbo noticed a thing. Weird box in back of room. What in there, Bumbo think? Spider with long butt? Big long bone? Bean with magic powers? It a mystery. With no thinking, Bumbo bash open scary box. What this? Kane! Another Bumbo? What a twist! C'est Kane, c'est mon main. Alors, très bien. Oula. Oui, forcément. Alors, on va se le laisser, désolé. Ah, c'est ridicule. Ok. Voilà, je voulais juste savoir ça. Désolé pour l'équipe, mais la musique est très forte. Moins pour vous, normalement, mais... d'accord, bon, grosso modo, ce qui s'est dit, c'est... finalement, Bumbo voulait du pognon. Bah, Bumbo a eu du pognon. Il était content, puis il est arrivé devant un coffre, il se demandait ce qu'il y avait dedans, est-ce qu'il y avait un os géant. Alors, pas bien compris s'il y avait une blague, à mon avis c'était plutôt dans le fait de faire sonner les consonnes que c'était intéressant. Bref, est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Et non, il y avait quelqu'un dedans. What a twist! Alors, moi, je suis motivé pour jouer ce Nimble, mais j'aurais bien aimé avoir les paramètres quand même pour gérer la musique, peut-être mettre en anglais. Attendez, je vais peut-être tout casser. Non, écoutez, tant pis, je vais attendre la fin pour tout casser. Donc lui, il a plus de vie, plus de tatane et moins de chance. Ok, donc l'aiguille. Ok. Ah, c'est pas dingue. Tile, c'est pièce. Un des termes pour pièce. Ça enlève un élément. Ouais, c'est pas très. Mais donc, oui, du coup, comme vous n'avez pas eu la cinématique de début, et puis même moi non plus, en fait, je me la suis passée pour pas me spoiler avant vous. Et au final, je ne peux même pas me la remettre. En grosso modo, Bumbo, il veut du pognon, quoi. C'est le concept hein, du perso. Oui. Ah mais ça commence direct, d'accord. Et donc les stats... débrouille-toi quoi. Je vais tenter le pipi, hein. Ah d'accord, les dégâts augmentent à chaque fois qu'on tape avec ça, d'accord. Ou à chaque fois qu'on tape. Bien écoutez, je vais tester. Comment ça, un mana en plus? Non, ça ne fait qu'un, donc. Ah, mais non, mais en fait, c'est super intéressant, ça. Ça peut vraiment me permettre de tricher. Alors, c'est pas très intéressant, mais je vais le faire juste pour voir si je peux bien lancer deux fois un sort par tour. Peut lancer deux fois un sort par tour. Ah mais j'ai récupéré. Attendez, on va tester encore une fois. Si j'enlève genre ça par exemple. Est-ce que ça va me donner une crotte de nez?
Oui, ça me donne une crotte de nez. Okay. Et ça fait toujours un point de dégâts. Mais si j'attaque avec, maintenant ça va faire 2 points de dégâts, j'imagine. Et oui, ça fait 2 points de dégâts. Ok. Mais je vais me faire défoncer. D'accord, yes. Ok, en fait le fait de ne voir que... Ah oui, ça faisait moult... oui, forcément. Ah mais attendez, c'est génial. Bon, ça sert à rien, mais... Ah non, c'est super cool comme pouvoir en fait. Parce que là, je peux faire ça. Bon, en vrai, c'est pas très utile. Mais... Si je fais ça... Hop. Ah, mais ça m'a pas... Oh, j'ai pas utilisé. Ah, mais non. C'est le pipi, donc ça me donne une action supplémentaire. Donc, si je fais ça... Et ça... Encore des spells. Ça, je peux le faire 2 fois, donc on va faire 1 fois, 2 fois. Hop, bon là, bouclier a plus savoir qu'en faire. Hop là, oh c'est beau. Ça m'a mis 4, je lui ai fait 4 points de vie. Non, c'était que 2. Ok, j'aime bien ce perso. Ça pue. On va faire ça, même si c'est pas incroyable. J'ai pas d'utilité pour les os pour l'instant. D'accord, je comprenais pas, mais c'est bon, ça tire bien à 0. Alors, je ne peux pas shuffle avec ce personnage, hein, c'est quand même une chose à noter. Mais du coup, j'ai tout intérêt à jouer dans. Oula, gros caca en perspective. Ah ouais, c'est intéressant. Je pourrais prier pour avoir un os ici, mais bon. Après le bibi, je veux dire. Ah non, ou alors je prépare, je peux le faire 2 fois. Ouais, pas suffisamment ni pour le pipi. Ouais, écoutez, on n'est pas toujours prêt. Ah d'accord. Bon. Ça sert à... Enfin, ça, pas que ça... Là. Pas que ça sert à rien. C'est pas... C'est ergonomique pour rien du tout. C'est un peu... Ah oui! Incroyable. On va essayer de le buter ce tour-ci, lui. Ah, ça me donne complètement envie. Ah, bah là, pour le coup, je peux le faire. On va récupérer. Ouais, bon, je pense qu'on va faire un os, un pipi. Hein. Ah, quoique non, une dent en fait. C'est trop bien. Bon, bah, je peux le faire 3 fois. Hein. Écoutez, on va pas se priver. Alors, il est protégé par un nuage de je ne sais quoi. On va mettre ici. Cela dit, c'est pas forcément. Bon, bref. Et bah écoutez. Hop. 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 On va lancer sur lui. Je sais pas pourquoi je le sens mal lui. Donc on va le retarder 2 tours. Et non, ce n'est pas la fin du tour. Ça, j'ai pas besoin. Quoique, est-ce que ça se conserve? Mais on va essayer. Déjà, est-ce que c'est écrit quelque part que normalement je suis protégé de la prochaine attaque? Non, c'est écrit nulle part. Ok.
Bon, encore une fois, c'est un roguelike, hein, donc le principal, c'est d'apprendre comment le jeu se joue, et une fois qu'on a compris comment le jeu se joue, va bien. Et ça sert à que chi, sauf si je peux avoir... Non, on s'en fout. Avoir un os en plus. Voilà, en l'occurrence, je suis en train de tester, donc ça m'intéresse pas vraiment de faire des actions de ouf. Ah, lui, à mon avis, son pet, là, ça le protégeait juste pendant un tour, genre de 1 point d'attaque ou un truc. Ah oui, j'ai plus de mouvement, je sais pourquoi ça veut pas. Ah, c'est triste, ça. Pas grave. Ça aurait pu peut-être me permettre de faire un combo de ouf. Ok. Ah ouais, j'ai plein de ressources. Allez, hop. Alors, est-ce que je peux enlever du pipi de manière intéressante? De toute façon, je peux en... Ah oui, d'accord. Alors là, ça utilise. Est-ce que si je prends celle... Ouais, ça me les rend. Ok. Bon, c'est un peu logique, mais quand même. On va enlever du pipi, du coup. Et puis, peu importe. C'est beau, c'est beau. Ah mais par contre j'ai que 2 PV, bah oui c'est Kane. J'aurais dû m'en douter. Oh les mouches qui tirent, celle-là. Ça on dirait un little guiche sur patte. Ok. J'aime bien l'idée de descendre les dents ici. Ah oui ça c'est juste une protection pour eux en fait. On va pas s'en servir maintenant, on va attendre un peu. Kama ? Et barrez-vous qu'on demi. Bah du pipi, ça serait bien. Des dents aussi, ça serait bien. Oh, c'est pas mal ça. Ça, je gagne un move. Ah, c'est dommage, ça combotte mal, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, par contre, je comprends pas, j'ai l'impression que des fois ça fait 2 dégâts et des fois 1. C'est perturbant. Les caca, ça sert à rien. Et les cœurs, ça compte pas dans le... Ah ouais, ok, d'accord. Donc voilà, ça s'est arrêté sur... Bon, ok. Sur ce... non, c'est bête, j'aurais pas dû faire ça. Parce que là, mon idée, c'était de le faire 2 fois en faisant genre... On emporte ça. Sauf que du coup, j'ai gâché, j'aurais pu avoir ça et... Et la mouche. Si j'avais mieux joué, mais je peux toujours espérer le dodge. Et ça m'a fait des dégâts. Ah oui, bah comme j'avais plus rien à faire, ça a passé. Seems logic. J'ai pas de heal, donc je suis gentil, mais j'ai pas de heal. Alors par contre, en quoi le fait d'avoir balance... Ah, parce que j'avais rien d'autre à faire pendant mon tour. Ok. C'est un truc que je comprenais pas pourquoi des fois ils agissaient, des fois non, parce que là mon tour était terminé. Et en effet, des cœurs, on en a très peu sous. Faut pas compter là-dessus. Alors. Pas des dents, hein, ça serait bien, mais. Faut pas faire d'aligne. Un tour. Non. Malheureusement. On peut faire des os. Des os, pas des os en un tour. Pas mal ça, comme ça j'ai du caca là pour bientôt. Oui, non, j'aurais pas. Ouais. Euh,
On va virer un os pour double dodge. Et oui, donc ça c'était prévu. Ça pour le coup, je l'avais vu. Allez, essayons le double dodge. Ok. Donc ça servait bien à rien. Point. Alors le jeu m'amuse, mais je vous avoue que la musique me fatigue un petit peu. Donc potentiellement, je virerai la musique pour le turfu. Mais encore une fois, j'ai jamais été ultra fan des musiques de Ridiculon. Non. En tout cas sur Isaac, j'ai jamais été fan quoi. C'est pas un jugement de ce que eux font du tout. Est-ce que ça combotte si je fais ça? Petit. Bah c'était gâché, bon c'est pas très grave, hein, je teste encore. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Si je vire une dent, je peux revirer un truc. Bon, ça c'est vraiment histoire de dire. Hein. Oui, donc là ça n'a rien fait, mais le tour a été terminé. Ouais, peu importe. Eh, c'est vrai qu'accumuler le pipi, c'est intéressant quand même. Ok, prochain combat. Mais ça m'intéresse, mais je vois pas mon mana. Enfin, mon... Oh! Duke of Fly. Pipim Small. Ok, il va grossir. Ah d'accord, donc ça aurait pu être bien, du coup le fait d'avoir un knockback sur le boss d'avant, l'Oaf, parce que quand il était prêt il me faisait des dégâts, tant qu'il était long il invoquait devant lui, mais au tour d'après il avançait donc il détruisait ses invocations finalement. Ouais je sais pas si c'était vraiment cool, utile ou non, et dans le doute on va faire du caca. Ah, il grossit, donc il va prendre les 3 cases au bout d'un moment, à mon avis. Ouais, puis faire du caca, c'était pas vital. Alors que du pipi, ça c'est intéressant. Parce que ça me permet de charger mon spell. Et charger des dents, c'est bien aussi. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, écoutez... Eh oui, bien évidemment. Peu importe. Oui, je l'avais vu, bien évidemment. 3 dégâts. Ah, c'est triste. Je peux pas... Non. Je vais essayer de sélectionner l'autre avant, mais tant pis. Je pense qu'on va le stun ce tour. Quoique c'est pas si utile que ça de stun. Enfin ça dit faire du caca ou des crottes de nez, ça me sert à rien là avec ce que j'ai. Je vais essayer de knockback. Yes. Bon en même temps il est au bout donc je m'en doute un petit peu mais. Bon cela dit voilà. Et je vais pouvoir refaire un combo de caca d'ailleurs aussi. Mais pas ce tour-ci. Non, bah on va passer le tour, hein, écoutez. Comment ça? Ah oui, bah oui, il a 2 points d'action. Donc forcément, il a enlevé mes 2 morves. Bah oui, en un tour. Cohérent. Ouais, dans le doute. J'ai tendance à faire que des lignes et pas des colonnes. Je n'ai plus qu'un mouvement. Mais je peux virer des trucs. Alzo.
Ah, là, je peux faire une allée dedans. Qu'est-ce qui serait intéressant de virer? En vrai, j'aimerais bien gagner du pi. On va commencer par ça, on va faire une allée d'eau. Pas plutôt. Une allée de dents. Comme ça, j'ai des dents. Ah ouais, j'en ai plein même. Je peux faire plein de trucs. Waouh. Ah oui. Je peux en faire 3. Incroyable. Ouais, bon, peu importe. 4 points. Incroyable. Ah oui, en plus, je peux faire ça. Oh, tu vas prendre tellement cher, mon gars. Eh ben, il suffit que j'ai 2 pipi et c'est fini. Eh ben, écoutez. Ah non. Non. Cancel. J'ai 4 mouvements. Faut que je fasse du pipi en 4 mouvements. Écoutez. C'est gagné. Allez. Balance, balance, balance-toi. Bouge de là. Ultipone. Oh, ça c'est mieux. Ça me sert à rien pour l'instant de diminuer charge parce que j'ai mon Butterbean qui demande une charge. Et oui, forcément, là ça enchaîne. Parce que j'ai battu le boss. Salut Magdalene. Statue. Ah, c'est cool ça. Ça manque un peu de musique. Là. Oh, ça c'est très très bien. Ah zut, c'est qu'un seul. Et je peux pas le faire sur lui. Dommage, parce que lui, pour le coup, ça aurait été goldé. On va le faire sur lui, je pense. Oh, c'est bien. Faire d'autres. Salut Keeper. Pas vraiment Keeper. Non, on va faire ça, hein. C'est... Manque un peu de musique dans votre jeu, par contre. Ah, quel, c'est très fort. Bon, ça aurait été mieux d'avoir 20 balles puis de reroll, mais... Bien, barrons-nous qu'on... Ah oui. Musique. Très bien. Ok, deuxième niveau. Donc là, on a des... je sais plus comment ils s'appellent. Les bestiaux dans Isaac, quand on les tue, ça fait spawn des larves. Donc j'imagine que là, ça va faire la même chose. Ah, mais du coup, il y a une autre musique. Ok, pourquoi pas. Lui, il est pas content. Voilà, c'était une information. Non, bah faut le dire, les musiques sont bonnes. Les musiques sont bonnes, c'est pas le souci. Allez, on va faire ça. Bah pour l'instant ça sert à rien. Je vais attendre avant de faire le knockback. Oh, ça échange de place. On va tenter le knockback. C'était pas deux à vouloir m'attaquer, là il n'y a plus que lui. Ok. C'est du genre certains ennemis peuvent attaquer à deux distances, d'autres seulement à un. On va faire du pipi. Voilà. So much pipi. Pas très intéressant. Ça c'est mieux. Euh, 5 PV. Ouais, c'est pas grave, je vais le terminer au pipi lui, c'est sûr. Enfin, avec ça quoi. Encore deux mouvements, mais je crois que je vais refaire du pipi en vrai.
Ah oui, en plus ça me fait un meilleur caca. Oui, alors encore une fois, quand vous... Ah, c'est dommage que j'ai qu'un move. Non, je n'ai pas qu'un move. Parce que regardez. Allez. So good. Alors pourquoi il y a ça? Je lui ai fait qu'un. Et pourquoi j'ai pas pu m'en servir? Ah d'accord, c'est un counter, ok. C'est genre... Ok. Ok, à chaque fois que je le touche, il me counter si je le tape. Même quand il meurt. Ok, bah c'est intéressant. Ça c'est le genre d'info qui est bonne à savoir. Alors, est-ce qu'on peut pas casser un peu le jeu encore? Non, on va attendre. Attendre le prochain tour. La musique est tellement forte dans mes oreilles. Ouais, on reconnaît bien là, Culonne. Je vais faire des dents. Sympathique, les dents. On va essayer de tuer celui au centre. Un peu de pipe ne serait pas de refus. Ou alors je fais de la mort. Je peux faire de la mort. Merde, ah oui. Non mais c'était prévu. Tout va bien. Voilà. Alors pour le coup c'était prévu que ça fasse l'alignement des os. C'est juste que j'ai oublié entre temps ce que je voulais faire. Ah oui, sauf que je peux pas le faire ce tour-ci. Donc finalement c'est les F. Mais je peux faire ça. Bah le dodge. Comment ça il m'attaque lui? Pardon. Oh c'est pas grave, j'ai plein de caca. Ouais, puis ils font qu'un dégât à la fois, donc ça va. Ok, par contre, quand on sélectionne au milieu des os, ça marche moyen moyen. Il m'a pas l'air d'être au petit oignon, j'ai envie de vous dire. Un pouce vert, hein, si t'as aimé la blague. Non mais voilà, genre, si je sélectionne un peu au milieu, bon là ça a marché évidemment, mais... Ou si je sélectionne un peu vite, j'ai l'impression que ça fait pas exactement bien les choses. Ouais, j'ai envie de viser un rocher. Parce que ça sent... Ah non, ou c'est juste ça empêche de reculer? Oui, dans ce cas, on s'en fiche. Bon bah y'a pas besoin. Est-ce qu'on peut aller à plus que 10? Ah je vais devoir casser tout ça. Quoique. Ce sera l'occasion de voir si on peut aller à plus de 3 de défense aussi. Ah oui ça c'est bien, comme ça ça me fait des os en plus. Non, on ne peut pas aller à plus de 3. C'est bon à savoir. Ah, c'est vrai qu'ils sont relous, eux. Et apparemment, on ne peut pas aller à plus de 10 non plus. Pas grave. Bim. Eh bien, c'est fini pour ce combat. Bon, ça fait plus d'une heure. Bah, écoutez, hein. Ouais, sympa. J'en fais rien de la morph pour l'instant. C'est cool ça. Et non, en effet, je n'en faisais rien de la morph. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pas bien. Hop là! Et ben écoutez, on va tester. Très bien. Encore deux moves. Ah ouais, c'est vrai que j'ai gagné un move, j'avais oublié. Grâce à Magdalene. Ah, je ferais bien du pipi, en vrai dire.
Après, c'est un peu crétin de faire du pipi. Juste faire du pipi, quoi. Non, ça, ça m'avait l'air plus intéressant. Ça, c'est pas mal. Ah, ça le replie. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien essayer un combo aussi. Cela dit, ça doit pas être très possible. Non, ça doit pas être possible du tout. Miss. D'accord, plus il est replié, plus ça loupe. Comme ça. Ok. Ça me va bien. On va tenter le poison. Pourquoi il a pris du dégât, celui qui est passé au milieu? Ok. C'est pour grave. Le pipi, hein, c'est la vie avec ce perso, j'ai l'impression. Sans personne m'attaque pour l'instant. En vrai, je réfléchis, hein, mais... Allez hop, on va faire des actions. On s'en fiche. Ah, toi, t'as l'air de bien aimer le fait d'être ralenti. Celui je vais taper aussi, puisque son replié, ça a l'air chiant. End. Comment ça? Ah, les ennemis bleus résistent au sort. Miss. Mais ça missera à chaque fois? Ouais, ok, ça a l'air de misser à chaque fois. Oui, je sais, encore une fois, ça paraît ridicule de tester des trucs comme ça, mais bon. Et voilà, et là, ils vont pas miss. Okay. Bon, je peux faire un knockback, hein. Nickel. Faudrait voir à faire des dégâts, hein, maintenant. Oh non! Pourquoi ça tape lui? Ah! Je fais du caca. On va faire du caca. Ah non! Oh, si, c'est bon, je peux faire du caca. Hop. Et donc, oui, il y a bien l'air d'y avoir une limite de 9. Ouais, bon. On va essayer de pas gâcher. Poison. Bon, oh, ça le tue, hein, de toute façon, le poison. Je peux faire du pipi. Histoire de pouvoir taper le bleu. Hop, je peux pas le taper évidemment, sinon ça serait pas marrant. Eh bien, comment je passe mon tour? Je ne peux pas. Nickel. C'est rien, j'ai rien. Y a rien qui m'éclate là, hein, les enfants. Allez, hop. Alors, un pipi pour la beauté du geste. Des os, pas des os. Mais non, pas sur lui, con de mime. C'est pas grave, j'ai deux moves encore. On va faire une pause après ce combat. Qui va finir tout de suite. J'ai besoin d'une petite pause, mais j'espère en tout cas que cette première vidéo sur Legend of Bumbo vous aura plu. J'aime bien le concept, assez sympa. Bon, ça se joue rigolamment, différemment, mais voilà. Et bien sûr, ce donc on fait une pause tout de suite au milieu de cette magnifique musique. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, et je vous fais des bisous. À la prochaine.